بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الداء والدواء وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف عن أثره هذه العبادة العظيمة الدعاء l'invocation demander à Allah subhanahu wa ta'ala c'est من أنفع العبادات pour l'insan من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب دفع المكروه c'est repousser le mal وحصول المطلوب c'est acquérir avoir un bien وما من إنسان إلا وقصده c'est هذا n'importe quel être humain parmi les êtres humains son but c'est que le mal il ne le touche pas et كذلك c'est d'avoir du bien فمن أقوى الأسباب pour posséder ou pour acquérir ce bien repousser un mal c'est الدعاء قال ابن القيم رحمه الله ولكن قد يختلف عن أثره الدعاء سدمون ربما هذا الإنسان يدمد الله سبحانه وتعالى السبيا أو كالله سبحانه وتعالى إلى الوان السمل كلا توشي son دعاء il est pas accepté il est pas exaucé قال ابن القيم رحمه الله إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان إما الدعاء فيه اعتداء أي demander une chose qui n'est pas مشروعة qui n'est pas légiférée demander quelque chose de haram par exemple فالله سبحانه وتعالى il répond pas à ce genre de دعاء قال وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء أي à cause de الغفلة l'insouciance الإنسان demande avec sa langue il invoque avec sa langue لكن Son cœur, il est absent. Il est virafla. Hadhihi al-ghafla. Cette insouciance, c'est parmi les causes. En Allah Azza wa Jalla, il ne répond pas à ce serviteur. Qala rahimahullah, fayakun manzilatu al-qaws. Ay hada al-du'a yakun bimanzilati al-qaws al-rakhu jiddan. Fa inna al-sahm yakhruj minhu khurujan dha'ifa. هذا سامثال طيب لهذا الإمام الرباني عليه رحمة الله هذا الدعاء c'est exactement comme celui qui possède un arc فيكون بمنزلة القوس القوس c'est un arc تعلمون c'est cette arme avec laquelle on lance des flèches فيكون بمنزلة القوس الرخو أي un arc pour qu'il soit efficace il faut que sa corde elle soit extrêmement tendue quand tu tires et tu vises avec une flèche, cette flèche, elle part rapidement, avec force. C'est comme cet arc qui n'est pas prêt, qui n'est pas assez tendu. Si tu tires avec une flèche, la flèche, elle sortira, ou elle s'élancera très lentement. Et elle ne fera aucun effet sur cet ennemi. فهكذا الدعاء هكذا الدعاء s'il n'est pas fait avec صدق avec sincérité avec احتساب avec une niya طيبة avec حضور القلب الإنسان il n'est pas insouciant il sait ce qu'il dit et il espère فبإذن الله عز وجل il espérera la récompense أكثر أو كالله سبحانه وتعالى il l'exauce أكثر قال وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها كذلك ندخلكم سأل حرام ممس الإنسان إلى صادق يسكدي إلى سبغ لكن إلى منج دو حرام يسأبي دو حرام هذا سبغمي لكوز أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء هذا العبد فالدعاء الذي يرجو صاحبه الإجابة أي l'invocation que n'importe quel serviteur il pourra espérer en Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond
il exauce son dua, c'est ad-dua alladhi yakun bi qalbin khashi' sadiq mukhlis lillah azza wa jalla. Le dua avec la langue et le cœur, il est présent. Insan, il est sincère et il espère et il désespère pas. Wa amma al-ghafla wal inshighal bi ad-dunya fala shakanna. Cette insouciance et penser qu'à dunya et s'écarter du ilm et ne pas faire des efforts pour comprendre ce qu'on dit quand on invoque et comprendre l'essence, il n'y a aucun doute que ça va être une cause que le cœur y durcira, et ensuite ça va être une cause que cette personne qui fera hada dua, elle ne sera pas concentrée ila akhira, et ça peut être une cause en Allah subhanahu wa ta'ala il répond pas à ce dua. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده هذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق محبتهم موضع. Et hada c'est un kalam nafis jiddan. Si on le comprend, ben ça sera utile pour toi, akhil karim, pour ton din, pour le ilm, pour les efforts que tu fais, jiddan. Ay, qaboul al-mahal. Si tu veux profiter d'une chose, akhil karim, que ce soit al-ilm, que ce soit quand tu fais du'a, que ce soit quand tu lis le Coran, que ce soit quand tu fais des bonnes œuvres, il y a une condition principale essentiel, c'est un had al-mahal. Il accepte cette chose que tu vas faire. Il a donné l'exemple du cœur. Le cœur, c'est un membre très très important. Inna fil jasad mudra idha salahat salah al jasad kullu wa idha fasadat fasad al jasad kullu. Si ce cœur, il est rempli iyadun billah de nifaq, d'hypocrisie, de shirk et autres parmi les autres aqaid batila, فلا شك أنه يبني لا بلاس بوغ أكسبت الحق. اسمع قال رحمه الله كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه. وهكذا اللسان. Pourquoi أحيانا on est dans le besoin de faire الدعاء et on sait que الدعاء c'est le meilleur moyen بإذن الله عز وجل pour nous faciliter tout ce qu'on entreprend, et on ne le fait pas. Il est occupé par autre chose. Et si le lisan, cette langue, elle est occupée à dire des choses mauvaises ou des choses inutiles, tu ne trouveras plus le temps de dire des choses utiles. Si tu as compris ça, fa'alam, anna du'a, c'est avec la langue et avec le cœur. Fais attention que ton cœur ne soit pas occupé par dunya et autres. Même si tu fais du'a, peut-être que ça sera une cause que du'a ne soit pas accepté. Et encore plus grave si le cœur il est occupé et la langue elle est occupée. Fal insan il fait même plus ad-du'a yadun billah. Faman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala li shughl lisani, il occupe sa langue bi-dhikr wa du'a wa hudur qalbihi, man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala li hadha, anna il a l'habitude de faire beaucoup de dhikr, de demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue et son cœur, il est présent et il sait ce qu'il dit. Hada tu trouveras c'est min as'ad an-nas. Et hada fi al-haqiqa wuffiqa tawfiqan 'aziman min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des plus grandes ni'ma. Une des plus grandes ni'ma, l'insan il s'occupe du dhikr. Et le dhikr s'englobe beaucoup de choses. S'englobe le Coran, s'englobe l'ilm, s'englobe les invocations, les demandes de du'a, il a akhiré. فَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ il sera عَلَى خَيْرٍ عَظِيمٍ وَتَأَمَّلْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Au début de surat al-mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité awsaf al-mu'minin, al-muflihin, et qui ont réussi et que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. الْخُشُوعَ pas qu'avec la langue, pas qu'avec les membres, ils font salat. لكن Allah subhanahu wa ta'ala il a précisé, il a ajouté
une caractéristique de leur salat, elle est bi khushu'. Et là, chaque année, fi salat, il y a des ad'iyah et des athkar, des invocations, il a akhri. هذا المؤمن في الصلاة لكن بخشوع الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون. C'est cela qui réussiront. Donc fais attention que nos ibadat, ça ne devient pas seulement des actes, que ce soit avec les membres ou avec la langue, et on est fait reflet, et le cœur il est insouciant, et on ne sait plus ce qu'on fait, ça devient automatique. وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم quand cet homme il lui a demandé, un sahabi من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, une chose qu'il fasse, il a demandé au prophète, il y a beaucoup de choses à faire, faites donne-moi une chose, je m'accroche. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la la yazal lisanuka ratban min dhikrillah. Fa dans la ayah tu as le khushu', et dans ce hadith tu as la langue. Et pour Akhil Karim, pour que ton dua soit accepté ou t'estafid min, que ça soit dans ta salat ou hors de ta salat, ne néglige jamais ces deux choses. On fait attention de ne pas tomber dans le reflet, ne plus faire dua alors qu'on a besoin. On cherche des autres causes au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala awwalan. Ça arrive hada quand on tombe malade, par exemple. Rien, on oublie de faire dua ou ruqya sur nous-mêmes ou de dire des athkar nafi'a. Et rien, on pense directement à se soigner avec des choses, mais au monde de dunya. Et là, chaque que c'est tayyib, il y a ibad Allah, tadawaw, c'est mashrou'. Mais on n'oublie pas l'asl. Wallahi, c'est anfa'. Et kadhalik, quand on fait ad-du'a, matalan fi salat, khasadan y a ibadat qu'on fait souvent, au même moment, comme les cinq salawat, c'est tous les jours à la même heure. Si on ne fait pas attention, peut-être que cette ibadat, ça deviendra automatique. On fait la salat et à la fin de la salat, si tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai récité? Peut-être que tu ne sauras pas. Après le teslim, on ne parle pas de longue durée là. Après le teslim, tu te poses la question à toi-même, qu'est-ce que j'ai récité? Si tu n'arrives pas à répondre, c'est que ton cœur n'était pas présent. Wallahu musta'an. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi da'i wa dawa wa du'a min anfa'il adwiya wa huwa adu al-bala. Parmi les choses les plus utiles, Akhil Karim, pour toi, c'est Ad-Dua. Ad-Dua, et hada talab. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les choses importantes ou les choses moins importantes, que ce soit des choses pour ton din ou pour dunya, que ce soit des choses pour toi ou pour tes frères musulmans. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui lui demandent. Wa qala rabbukum ud'ouni. Astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala amra ibadah, demandez-moi, je vous donnerai. Et là, chacun n'a hada l'amr, c'est une ibadah, et Allah subhanahu wa ta'ala il aime l'ibadah. Qala ibn al-qayyum rahimahullah wa huwa adou al-bala. On est tous touchés par le bala, des épreuves. Ibtila, que ce soit niveau santé, que ce soit par rapport au din, ayyadam billah, que ce soit par rapport aux enfants, à la famille, aux proches. Mouhim, on est tous éprouvés par quelque chose. Si tu veux un adou li hadha al-bala, et quelque chose qui combatte cette épreuve qui te fait du mal, ad-du'a, l'invocation, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qal yudafi'uh wa yu'alijuh wa yamna' nuzulahu wa yarfi'uh aw yukhaffifuhu idha nazala wa huwa silahul mu'min. Donc, hadha du'a, imma, il va repousser cette épreuve de toi, il va l'éloigner. Imma, il va l'alléger. Et c'est une ni'ma azima. C'est silahul mu'min, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'est l'arme du mu'min. Et cette arme ne la néglige jamais. Limada? Li'anna, tu as beaucoup d'ennemis, akhi al-karim. Ton nefs. Al-ammaratu bis-su, ta'muruk bis-su. Al-shaytan, c'est un adou. L'insan. Al-yahoud, wal-nasara, wa jami' al-kafara. C'est des ennemis du mu'min. Ahlul bid'a'i wal-dalal. المنافقون والزنادقة كم من أعداء كم من أعداء بكل المؤمن إلى بكل دنمي فسي إلى با هذا السلاح العظيم سأنفع الأسلحة الدعاء أي إدماند الله سبحانه وتعالى ولا شك أنه يسفر du mal par rapport à son éloignement de هذه العبادة العظيمة l'invocation ومن هذه الأدعية النافعة الجامعة
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Et dans ce dars, بإذن الله عز وجل وتوفيقه, on va étudier ensemble un dua عظيم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأدعية النبوية سأنفع الأدعية. لماذا؟ لأن vous allez voir le sens que tu vas comprendre, les fawaïd que tu vas tirer. لماذا؟ لأن هذا الكلام c'est كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنفع الأدعية c'est les adعيات qui sont في القرآن وفي السنة, les invocations qui sont في القرآن وفي السنة. Tu trouveras ces des kalimats مختصرة لكن فيها بركة عظيمة, beaucoup de bien dans les adعيات qui sont dans le Coran et dans la Sunna. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن Après avoir entendu هذا الدعاء العظيم الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'on doit apprendre هذا الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أخرجه الإمام أحمد وغيره فحديث عظيم rapporté par l'imam Ahmed رحمه الله وصححه الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكره في الكلم الطيب وأيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه الوابل الصيب وشفاء العليل وزاد المعاد إلى سيتي هذا الحديث وهكذا الإمام الحافظ ابن حجر الحسن الإمام المحدث الألباني رحمه الله إلا صحح كما في الصحيحة كذلك dans son تحقيق de الكلم الطيب فعلى كل حال c'est un hadith صحيح ثابت ولله الحمد قوله رحمه الله ما أصاب عبدا هم ولا حزن الإمام ابن القيم رحمه الله قال الحديث استوعب أقسام المكروه الوارد على القلب هذا الحديث فالحقيقة c'est une solution علاج c'est un remède contre المكروه contre toutes les mauvaises choses qui vont toucher ton cœur قال فالهم قوله ما أصاب عبدا هم أي ما من عبد homme ou femme qui est touché par الهم فسدعاء له سرع أتيل سكوى الهم قال فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب الهم c'est pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé c'est pour ça qu'on dit الإنسان يهتم بكذا أي quelque chose qui te préoccupe فهذا الدعاء si une chose te préoccupe à l'avenir et tu penses qu'elle peut te faire un mal ça s'appelle الهم en langue arabe. فهذا الدعاء بإذن الله عز وجل il sera profitable. قوله الحزن على مكروه مكروه c'est quelque chose qui fait du mal qu'on n'aime pas. ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه إذا تذكره أحدث له حزن. الحزن c'est l'inverse, c'est dans le passé. Quelque chose qui t'a fait du mal dans le passé et si tu te rappelles cette chose ça te rend triste. فالحسن c'est quelque chose qui fait du mal لكن qui est déjà passé فهكذا هذا الدعاء يسرع نافع كم من الناس ils sont tristes à cause des choses qui sont déjà passées قوله الغم سيأتي معنا أو تقدم معنا في الحديث نعم قال والغم
يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم. أما الغم فسيف الحال. Donc tu as trois choses. Tu as une chose qui va arriver, une chose qui est déjà arrivée et une chose qui arrive en ce moment. Ces trois choses, ça fait du mal, ça rend triste. الهم والغم والحزن. فهذا الدعاء il englobe ces trois choses. Que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. قال رحمه الله فهذه المكروهات هي من أعظم أمراض القلوب. Ces trois choses, cette tristesse, que ce soit dans le passé, dans le futur ou au présent, c'est ce qui fait le plus de mal au cœur de l'insan. C'est من أعظم هذه الأمراض. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك وابن أمتك. هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفغمي أن celui qui est touché par هذا الهم أو الحزن أو الغم quelque chose qui le préoccupe, qui lui fait du mal, ça le rend triste, فليقل هذا العبد qu'il dise اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. Il commence par هذا الكلام. قال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء. هذا سانغلوب في الحقيقة tous les êtres humains. Quand tu dis اللهم إني عبدك وابن عبدك, ça va englober tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres jusqu'à آدم وحواء. Si un autre il le dit, نفس الشيء, ses ancêtres jusqu'à آدم وحواء. قال رحمه الله وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه. هذه فيها فائدة عظيمة. هذا في جميع الأدعية أن الإنسان quand il demande à الله سبحانه وتعالى لابد يستشعر أنه عبد ضعيف et أنه يدمد à رب العالمين. Donc n'aie aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala, il te répondra. لماذا لأن tu demandes au Rabb et أنت t'es un عبد. أنت avec tes faiblesses il a akhiri, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, لماذا لأنه t'es un de ses عباد. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de lui demander. فأنت en tant que عبد, en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu mets en application cet ordre, فتu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. وقال رحمه الله وإن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه. كذلك quand on dit اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك, c'est pour ça que avant de lire ce dua et avant de lire certaines paroles de nos imams de la sunna عليهم رحمة الله, c'est pour ça qu'on a cité ces en guise d'introduction les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Si tu le dis avec ta langue, essaye de comprendre, ça va t'ouvrir des portes nafi'a pour ton cœur. Et كذلك ça va être une énorme cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te réponde. Fa quand on dit Allahumma inni 'abduk, ayya Allah, je suis un de tes serviteurs, le fils de ton serviteur, ton père et ta mère et hagada jusqu'à tes premiers ancêtres Adam et Hawa. قال ابن القيم رحمه الله هذا normalement ça doit te pousser à quoi? Et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala لماذا? لأنه il n'y a que lui qui est capable de te donner. لأن si toi tu es un abd avec tes faiblesses, هكذا ton frère, هكذا ton cousin, هكذا ton voisin, tous les êtres humains ils sont dans ta situation. فتستفيد من هذا أن celui qui donne c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'à ce moment tu lui as demandé. Toutes les portes elles sont fermées. Si on prend notre sujet, la tristesse. Tu as quelque chose dans ton cœur, tu es triste, tu vas mal, personne ne peut t'aider. Min al-ibad, illa Allah subhanahu wa ta'ala. La chakana, ton frère, s'il te parle, ça peut te remonter le moral, il a akhiré. Lakin, la seule solution pour vraiment enlever hada al-marad, cette maladie, cette tristesse qui fait du mal au cœur, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Limada li annahu, il est capable de tout. قال وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤويه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. كذلك le fait de demander avec هذا الكلام اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك et de se rabaisser, أي كأن الإنسان
بلسان حاله يقول أنه سي الله سبحانه وتعالى يموف على البورت il me répond pas, il ne m'aide pas, il ne me sauve pas, enfin je peux périr. Enfin, celui qui fait ad-du'a avec sa langue et son cœur, il est dans cette situation de rabaissement et d'espoir en n'a qu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut lui donner, chacun a son du'a, son invocation, ça ne sera pas comme un autre qui dit du'a et il est fi ghafla shadida. Sa langue, na'am, elle bouge et yatakallam, mais son cœur, il est fi ghafla. Son cœur, il est insouciant et il ne ressent pas هذه المعاني العظيمة أي سيسانس كلمة من القيم رحمه الله إلى السيتي هنا قال هذا الاعتراف أني لا غنى بي عنك طرفة عين وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده سيسا لا كونكليزيون فكأنك تقول je reconnais اعترف أنه لا غنى أي personne ne peut m'aider personne ne peut me sauver et j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. Tarfat ayn. Même le temps d'un clin d'œil, ce temps très très court, si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aide pas, il ne t'ouvre pas les portes, فَرُبَّمَا عِيَدٌ بِاللَّهِ تَهْلَكَ et tu vas à ta perdition. فَهَذَا مَعْنَا قَوْلِهِ أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ quand vous lisez un dua du prophète alayhi salatu wa salam, يَعْلَمُوا أن chaque mot il a une معنى. Et si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a commencé par هذا, ta'ammalu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait pu demander directement Allahumma ja'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri ila akhirah. Il aurait pu demander هذا. Lakin un Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant de demander قال Allahumma inni abduk wa ibn abdik wa ibn amatik pour éduquer la umma. Pour qu'on ressente هذا, anna on est des ibad, on a du dha'f. On a du dha'f, même celui qui a de l'argent, même celui qui est en bonne santé, même celui qui a telle chose, il est dha'if. فَهَذَا الدُّعَا فِي الْحَقِقَةِ ça remet en place l'insan. Il n'oublie pas أنه c'est un abd. Et même si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des choses, فَسَبِي فَضْلِ اللَّهِ ça reste un abd مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَفِي التَّحَقُّقِ بِمَعْنَى قَوْلِهِ إِنِّي عَبْدُكَ إِلْتِزَامُ عُبُودِيَتِهِ مِنَ الذُّلِّ والخضوع والإنابة كذلك تستفيد من هذا إني عبدك أنك تعبد الله سبحانه وتعالى سي الرب أنا عبدك je suis ton عبد donc الله سبحانه وتعالى سي الرب هذا العبد هذا ça doit impliquer في الحقيقة التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة quand on dit اللهم إني عبدك on doit le dire avec la langue. Notre cœur ne doit pas être insouciant et kadhalik ça doit impliquer que nos membres ne contredisent pas ce qu'on vient de dire. Amma wahid il dit Allahumma inni abduk, il fait du'a, thumma le lendemain il va et l'égorge pour une tombe. Limada li'annahu il est triste. Ah oui, il a un problème avec ses enfants. Mathalan, Fulan parmi ses enfants, il n'arrive pas à avoir un enfant, ça le rend triste. Enfin, il va, il demande au wali. Alors qu'un jour avant ou après, il dira Allahumma inni abduk. Ça lui est d'aucune utilité. L'imam Aliyana, il dit une chose avec sa langue, et fait le haqiqa, son cœur, il est accroché, il est attiré, il espère par Shir un tel, Sayyid un tel, le Wali un tel, mina al-amwad, ayyadam billah. Qala rahimahullah, wa amthal, qala wal inaba, wa amthal dhalik, ila an qala. واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه. Donc quand on dit اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك فكذلك ça doit nous pousser à عظم الأوامر et كذلك عظم النواهي أي essayer d'appliquer les ordres d'Allah سبحانه وتعالى et essayer كذلك de s'écarter des interdits les deux. لماذا؟ لأنه on était عباد. Et si tu dis inni abduk, ça veut dire que tu es un rab. Et hada rab, il t'a ordonné des choses, il t'a interdit d'autres choses. Qala wa la yata'allaq qalbuhu bighayrihi mahabbatan wa khawfan wa raja'an. Quand on dit Allahumma inni abduk wa ibn abdik wa ibn amatik, fal haqiqa ça doit être un manhaj pour toute notre vie, une voie qu'on a empruntée. Ça veut dire que on n'aime pas les autres comme on aime Allah azza wa jalla abadan. Al mahabba qui est une mahabba ibada avec dhul wa ta'zim ila akhirih, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik al khawf wa raja. Si nous arrive quelque chose, on n'espère pas min al bashar. Là, on espère min Allah subhanahu wa ta'ala. Amma les êtres humains, c'est des causes faqat. Il peut vouloir t'aider parce que tu as été touché par une épreuve et il n'arrive pas à t'aider. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas.
فنطخ كور لابد أن يتعلق بالله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وتعظيما. قال رحمه الله وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك فإن العبد وما يملك لسيده. كذلك quand on dit أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك, في الحقيقة si on dit ça et on est صادق on n'aura aucun mal à sortir à الزكاة. لماذا لأننا on a des عباد لله et notre argent في الحقيقة c'est Allah qui nous l'a donné, on n'aura aucun mal à donner cette petite part لله عز وجل. وهكذا جميع ما يتعلق بالمال مثلا on n'aura pas beaucoup de, on n'aura pas de mal du tout pour aider les pauvres et aider la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأننا on dit إني عبدك. أما celui qui dit إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ثم son mal il le dépense في الحرام il le dépense pas في سبيل الله, فهذا في الحقيقة quand il dit cette parole il a un manquement, un énorme manquement. وهكذا on peut citer beaucoup d'exemples. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. الناصية سي مقدم الرأس, مقدم الرأس أي سي le devant de la tête. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول après avoir dit et reconnu أننا on est عباد, أن الله c'est notre رب, أن on a besoin de lui et on est des faibles. فأبخي هذا كذلك نعترف أن ناصيتنا لبيد الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد أنت سأفجيك هذا الكلام أي ناصيتي بيدك أنت المتصرف في تصرفاتي كيف تشاء أو أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاء أي توسكيس باس لا بون سانتي لا مالادي. Tu as été guidé, amla. Tu as compris une chose, amla. Tu as subi une épreuve, amla. Tout ça, c'est bi-idnillahi azza wa jal. Fil haqiqa, vous avez remarqué que les premiers mots de hadha du'a, celui qui les comprend, ça va déjà lui éloigner sa tristesse. Il n'a même pas encore demandé la chose qui va lui éloigner directement la tristesse. Lakin, arrivé à huna, celui qui comprend, alhamdulillah, déjà ça va lui faire du bien. Anna, tout ce qui se passe, c'est bi-idnillah. Man, si yati bi-idik. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Si tu étais touché par cette épreuve, et l'être humain fait haqiqa, c'est normal d'être triste pour certaines choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été triste, il a perdu un de plusieurs de ses enfants, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal d'être triste. Lakin, celui qui comprend, qawlahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nasiyati biyadik, la tristesse, elle prendra pas le dessus. Elle lui fera pas faire des choses haram. Ba'd al-nas ta'lamoun annahum, ils sont touchés par une épreuve, ça les rend tristes. Wa yakfuruna billah. Limadha li'annahum ma haqqaqu wa ma 'alimu hadha anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait tout. Tu as perdu ton enfant, fa nasiyatuk wa nasiyat ibnik ala bi yadillah. Allah il fait ce qu'il veut. 'Azza wa jalla. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah fa man shahida an-nafsahu bi hadha al-mashhad sara faqruhu wa daruratuhu ila rabbih wasfan laziman lahu. Celui qui a compris هذا, قوله, ناصيتي بيدك, il saura que c'est Allah qui fait tout. Donc il va craindre Allah, il va espérer d'Allah. Les autres, ça ne lui fera rien du tout. واحد, il le critique, واحد, il veut lui faire du mal. Ça ne le touchera plus. فلهذا, أولياء الله, ceux qui ont fait des efforts pour apprendre leur dîn et le mettre en application, quel anbiya, wal rusul, alayhim salatu salam, wal sahaba, wal ulama, radiyallahu anhum, هؤلاء vu qu'ils ont حقق هذا un تحقيق قوي كم من الناس ils essayent de leur faire du mal et l'akhir ça les rend pas tristes la yubaloun même si ça les rend tristes parce que c'est des êtres humains ça passe très vite et ils placent leur confiance en Allah. لماذا نحن في هذا الباب on a beaucoup de faiblesses لأن on a un ضعف في هذا أحيانا كأن on a des énormes manquements في هذا. Cette personne qui veut te faire du mal اعلم أن ناصيته هو لبيد الله عز وجل. Il peut rien faire que c'est Allah il veut. Et s'il a fait une chose, c'est بإذن الله. C'est pas parce que il est plus fort que toi, plus doué que toi. Allah il l'aime plus que toi. أبدا. Allah سبحانه وتعالى il a une hikmah. ناصيتي بيدك. قال رحمه الله ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم. تأملوا هذه الفوائد.
Si tu es concerné par ça, si moi je dis ce qu'elle aime, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut de moi. C'est lui qui gère tout. Ça concerne kadhalik les autres êtres humains, c'est pas que pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Jami'a. Si tu as compris ça et ne l'oublie pas, akhil karim, ça va t'aider à ne pas te rabaisser vers les autres. Ne pas espérer des autres. Ne pas attendre les autres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend. قال ابن القيم répète وما تشهد الناس كذلك أي si il sait que c'est son hal, sa situation et la situation des autres. قال لم يفتقر إليهم أي tu te sentiras pas مثلا tu as besoin de un tel. لماذا لأن c'est Allah qui donne. تعلمون أن بعض المسلمين ils ont encore عيد بالله من عقيدة أن il peut avoir un enfant si il demande à un mort. S'il aurait haqqaq hadha nasiyati biyadik, il saurait que c'est Allah qui gère tout. Pourquoi je vais aller demander un mort pour avoir un enfant, yadam billah? Ce mort, il ne peut rien faire. Donc si on a haqqaq hadha, j'espère de personne l'enfant. Je fais la cause et j'attends. Nasiyati biyadik. Si Allah il veut, il te donnera. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il ne te donnera pas. Il fait ce qu'il veut, azza wa jal. Qala وما استقام توحيده وتوكله وعبوديته نعم فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته avec ces quelques mots اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك celui qui a compris هذا في الحقيقة il va حقق التوحيد لأن سيدي إني عبدك il va adorer Allah سيدي je suis ton serviteur c'est qu'il l'adore comment on est des serviteurs d'Allah on l'adore أما بالكلام بالكلام كم من الناس يبرتند الدعيبات لله عز وجل في الحقيقة دي مجرمون. C'est pour ça qu'Allah سبحانه وتعالى يشاتيرا الكفار. On parle العبادة الشرعية. On parle pas العبادة كونا. أما كونا, on est tous des عباد. On a tous été créés. لكن هنا التوحيد هي توحيد العبادة. وتوكله. كذلك tu le retires, tu places ta confiance en Allah. إني عبدك. Je suis un عبد. Et si je suis un عبد, c'est que j'ai un رب. Et Hadar Rabb, il est capable de tout, donc je place ma confiance en lui. كذلك ناصيتي بيدك, ça va te pousser à tatawakkal ala Allah. N'attends pas des autres. Les autres, aujourd'hui, ils te donneront, demain, ils ne te donneront pas. Aujourd'hui, il t'a donné, demain, il te critiquera. N'attends pas des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la cause. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on ne fait pas de commerce. Non, on parle le cœur. Cet argent, mets-la dans tes mains, mets-la pas dans ton cœur. Tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Qal wa ubudiyatuhu. Ça revient, kadhalik, au tawhid. Thumma qal ibn al-qayyum rahimahullah wa lihada. Qal Hud alayhi salatu wassalam li qawmihi inni tawakkaltu ala Allah. Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Il a cité un dalil ibn al-Qur'an pour appuyer ce passage du hadith. إني توكلت على الله ربي وربكم. Pourquoi Hud alayhi salatu wasalam توكل على الله؟ Pourquoi؟ Bien sûr parce que c'est une عبادة إلى آخره. لكن il a cité la cause. قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الدابة هنا c'est tout ce qui marche sur terre. Que ce soit les animaux, que ce soit les djinns, que ce soit les êtres humains. Tout ça c'est من الدواب. فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية الجميع. C'est pour ça que Hud, alayhi salatu salam, c'est un prophète. Il avait compris hada, alayhi salatu salam. Ça l'a poussé à annahu yatawakkal ala Allah. Lianna Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Limadha, je vais avoir peur d'un tel, alors qu'Allah, il gère tout. Il ne peut rien me faire, sauf si Allah, il veut. Qala, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Hadhi l'aya, c'est une aya azima. Si tu as compris hada, le ma'na, ça t'aidera à comprendre hadhi l'aya. أكثر. قوله عليه الصلاة والسلام ماض في حكمك عدل في قضاءك. Donc النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أي يا الله je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, que ce soit le père ou la mère. ناصيتي بيدك. أي الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut de moi. C'est lui qui gère tout عز وجل. ماض في حكمك. قال ابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل المجلد التاسع اعتراف بنفاذ حكم الله فيه. Quand العبد يدي هذا الدعاء يقول ماض في حكمك أي يعترف أن حكم الله سبحانه وتعالى
يجري على هذا العبد وعلى هذا العبد وعلى جميع الناس. أي personne peut sortir من حكم الله عز وجل. Personne ne peut faire ce qu'il veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. On est tous تحت حكم الله, المسلم والكافر. قد يقول قائل, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné certaines choses, c'est من حكم الله عز وجل, et certains ils ne le font pas. الحكم il est على نوعين, حكم كوني قدري et حكم شرعي ديني. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à tout le monde, certains ils ne font pas, ils rendront des comptes يوم القيامة. D'autres choses, tu n'as pas le choix, c'est من الحكم الكوني. مثلا tu tombes malade, مثلا tu meurs tel jour, personne ne peut retarder sa mort. Ala kulli hal, on vous a cité ces deux exemples pour bien que cette choubha ne rentre pas. An al-insan, il n'a pas le choix. Falihada qala, madin fiya hukmuk. Hada, c'est valable pour toi, pour moi et pour jami' al-ibad. Qala shaykhul islam ibn taymiyyah, wa annahu ma sha Allah bihi fa'ala, la mukhrij lahu an hukmihi. Personne ne peut sortir an hukmillah. Falihada la takhaf min al-nas. N'aie pas peur. Al-Kuffar, quand ils menacent, quand ils accusent, Ahlul Bida'a, quand ils essayent de t'accuser, de t'informer, la takhaf min ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Et si un tel, il te fait injustice, et Allah subhanahu wa ta'ala, il le laisse, i'lam, annahu, si l'injuste est al-haq, c'est min al-istidraj. La. Ne crois pas qu'il a la vérité. Ou il est en train d'avancer, wallah, il se fait que du mal. Allah, il a une hikmah, anna, cette injustice, elle continue, la'alla, c'est pour t'élever en degré ant et il te pardonne tes péchés, et la'allahu huwa, il est injuste, et Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lam, qu'est-ce qu'il veut bi hadha al-insan. Ala kulli hal, anta husnul dhann billah, limadha, li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala adlun aw hadha sayati qabla dhalik madin fi hukmuk. Ay hukmullah il est madi, personne peut sortir an hadha al-hukm. قوله juste après عدل في قضاءك, اي هذا الحكم حقيقة اصل عظيم, c'est الايمان بالقدر. هذه الجملة هي اصل عظيم من اصول اهل الايمان, c'est الايمان بالقدر. قوله ماض في حكمك, اي الله لا تقدر, personne ne peut sortir du قدر. الله il sait tout, il a tout écrit, il a tout créé, tout ce qui se passe il l'a voulu, les 4 degrés du قدر. Juste après avoir cité le قدر, النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل في قضاءك. Tout ce que Allah il t'a décrété, c'est que pour ton bien, c'est min al-adl. C'est la justice. Il n'y a aucune injustice fi qada illahi subhanahu wa ta'ala. On revient à notre dars, cette tristesse qui t'a touché. Si tu sais ce que tu récites quand tu dis madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, remets-toi en question, akhi karim. Si tu es triste, c'est sûrement à cause d'une épreuve. C'est sûrement à cause d'un mal qui t'a touché. Remets-toi en question. Pourquoi ce mal t'a touché? Allah, il est juste. عَدْلٌ فِيَ قَضَاءُكْ. Donc, ce qui t'a touché, c'est مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ, مِنْ قَدْرِ اللَّهِ, ça fait partie du destin. اِعْلَمْ أَنَّهُ سِلْ عَدْلٌ. Il n'y a aucune injustice. Pourquoi certains, quand ils sont touchés par des épreuves, ils ne patientent pas? Prends l'exemple quand ils perdent un enfant, certains. Ils disent un kalam, عِيَدًا بِلَهِ, ça contredit هذا الْأَصْل. Pourquoi il est trop jeune mais il n'a rien fait min hadha al-kalam? Ayna qawluhu azza wa jalla alayhi salatu wa salam adlun fi qada'uk. Si cet enfant il est mort, c'est bi'adlillah. Allah il est juste. Il a été injuste envers personne. Cet enfant, probablement il aurait grandi, iyadan billah, il serait garé, il est mort jeune, et inshallah il est fil jannah. C'est un khir si les gens ils réfléchiraient comme ça. Qala shaykh al-islam qawluhu adlun fi qada'uk dalilun على أن الله عادل فيما يفعله عز وجل بالعبد من القضاء كله خيره وشره. Tout ce qui se passe, tout ce que Allah il a décrété, tout ce que tu subis, tout ce qui te touche, comme bien, comme mal, c'est juste. Si un mal te touche, c'est que tu l'as mérité. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Et Allah سبحانه وتعالى رحيم. Il pardonne beaucoup, et si tu touches par un mal, khasatan al-mu'min, c'est pour que tu te réveilles. Rumbama, tu as fait des choses et tu es firafla, tu commences à te laisser aller, à t'égarer. Allah, il t'éprouve par une maladie. La porte d'un proche, la perte d'argent, ça te fait réfléchir. Combien de gens ils ont fait tawba après avoir perdu un enfant ou un proche, ou après avoir goûté à la pauvreté, ou une maladie? C'est du khayr. Tout ce qui se passe, c'est du khayr, mais nous, on a des faiblesses. Et si on médite bien,
Wallahi, il y a beaucoup de choses qui nous rendent tristes. Bi'idnillah Azza wa Jal, ça t'aidera à ne plus être triste. Tu es fait khayr azim. Tu es un musulman. Alhamdulillah, min ahl sunnah. Tu aimes l'ilm. Tu aimes les savants. Tu aimes appliquer le khayr. Même là, je sais qu'on a des faiblesses dans le comportement, on a des faiblesses dans l'adoration. Beaucoup de choses. Et on doit s'en rendre compte, ça nous aide à nous améliorer, mais on ne doit pas oublier le khayr. Wallah, on est dans le ni'ma azima, khasatan à cette époque. Alhamdulillah, on est ensemble, on essaye de faire des efforts pour apprendre notre dîn. C'est une ni'ma azima. À cette époque, wallah, c'est une ni'ma azima. On ne doit pas oublier ça. Tu te rappelles de ça, pourquoi être triste, akhi al-karim? Pourquoi? Même si certaines choses, peut-être que tu es accusé, peut-être que tu as des manques dans certaines choses, peut-être que tu es éprouvé par un enfant ou autre. Et si bien. Tu es à la khayr. Ba'adunnas, ils n'ont rien. Ils ont beaucoup de dunya, lakin ils n'ont rien par rapport à ce que tu as. Ni cours, ni durus, ni ilm, ni tawhid, ni sunna. Ils n'ont rien de cela. Des kafaras, ils vivent comme des animaux. Fahmadillah, azza wa jal. Qawluhu, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak. Ou anzaltahu fi kitabik. Ou allamtahu ahadan min khalqik. Ou ista'tharta bihi fi ilm al-ghayb. Indak. Toute cette partie, walillahi alhamd, on l'a étudiée il y a quelques jours dans notre dars fi al-qawa'id al-mutla. Donc on ne détaillera pas, on a kathir. Cette partie en général, al-ulama il la détaille dans kutub al-aqidah, dans les noms et les attributs. Qala al-imam al-qayyim rahimahullah fi al-fawa'id, tawassulun ilayh bi asma'ihi kulliha, ma'alim al-abd minha wa ma'lam ya'lam. Al-tawassul, c'est le fait. Avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes par une chose. Huna, par ses noms et ses attributs. Et c'est afdal al-tawassul. Donc, ta'ammalou, avant de demander, la demande, elle n'est pas encore faite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un abd. Et il est vaïf. Et il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a akhiré. Summa al-an, avant de demander, al-tawassul. Avant de dire notre demande, ce qu'on veut, on cite des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, jami' al-asma. Les noms que Allah il a révélés à ses prophètes, qu'il a révélés dans le Coran, qu'il a révélés dans le Sunna, et kadalik les noms qu'on ne connaît pas, tu demandes par tous ces noms. Ça, c'est un tawassul azim. Et le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec un de ses noms, plusieurs attributs, c'est min asbab al-ijab. Donc le mu'min, quand il fait du'a, il doit avoir un adab. Fait la haqiqa, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il te montre comment faire du'a. Comment faire le dua? On doit faire cette préparation. Al-i'tiraf bi al-rububiyya awwalan. An Allah c'est le Rabb. Kazalik bi al-ubudiyya, ça implique. An al-insan il doit adorer Allah seul. Cette demande, il a akhiri ce rabaissement, ce tawakkul ala Allah. Thumma al-tawassul bi hadhi al-asma. Et après, une demande. Qala rahimahullah, wa hadha ahabbul wasail. إليه عز وجل فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه أي نعم وهذا ولله الحمد تقدم معنا في القواعد المتلى كذلك العلماء شيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبله شيخ الإسلام التيمية وجميع أهل السنة ولله الحمد استدلوا بهذا الحديث أن لينون الله سبحانه وتعالى sont pas restreints 99 comme c'est cité dans l'autre hadith حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال سميت به نفسك ثم قال واستأثرت به في علم الغيب عندك ça montre هذا que des noms on ne les connaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés à personne, donc ça nous montre bien que Allah il a plus de 99 noms. وهذا on l'avait détaillé ولله الحمد ensemble. قوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. Après tout cela, النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمانتي هذا تستفيد منه إن فائدة عظيمة لا تستعجل في الدعاء ولا تستعجل في الإجابة دو شوز النبي صلى الله عليه وسلم il nous éduque dans ce hadith ne te précipite pas في الدعاء أحيانا on fait salat on a du temps et في السجود on reste quelques secondes alors que أحيانا tu as rien à faire et tu as un moment مبارك طيب comme la fin de la nuit إلى آخر enfin on doit prendre notre temps. On doit apprendre. تعترف أنك ضعيف تتوسل بأسماء الله عز وجل ثم تدمادي. كذلك une erreur qui est grave via le bal, c'est de ne pas patienter, vouloir tout de suite que le dua soit exaucé. وهذا كذلك c'est une erreur. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الربيع هو المطر الذي ينبت ربيع الأرض.
Après tout cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette demande. Et pour repousser la tristesse, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. أي أن تجعل تستفيد من هذا أن celui qui donne c'est Allah عز وجل. أن تجعل أي يا الله. Que tu fasses, يا رب, que هذا القرآن ça devient le ربيع de mon قلب. Ça veut dire quoi الربيع؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله هو المطر الذي ينبت ربيع الأرض. فسأل أن يجعل القرآن ماء ونورا لقلبه. الربيع, vous connaissez tous la saison الربيع. C'est cette saison générale où que la pluie elle tombe, où les plantes, les fleurs elles poussent. Il y a beaucoup de verdure. ففي الحقيقة الربيع هنا كما قال شيخ الإسلام c'est le matar, c'est la pluie. فهذا المؤمن il demande à Allah سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلبه. Vu que son cœur il a été asséché par al-dhunub, les péchés, al-ghafla, l'insouciance, al-dunya, se préoccuper, oublier, il a akhiré, et son cœur, il a besoin de revivre, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala une chose qui fasse revivre ce cœur. Comme l'eau, elle fait revivre la terre. Al-haqiqa, ce qui fait vivre la terre, c'est deux choses. Elles sont citées, huna. Al-rabi', huna, la pluie, et al-nour. Quand il pleut, pour que la terre, elle profite, après le soleil, la terre elle profite du temps, ça devient tout vert. Mais s'il n'y a que du soleil, ça devient la sécheresse. Et s'il y a beaucoup de pluie, il n'y a plus de soleil, la terre elle profite plus. Fahuna, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les deux. Qala, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, fa asfa sa'ala, an yaj'al al-Qur'an ma'an wa nouran li qalbi. Ce Qur'an, c'est comme de l'eau et une lumière pour ton cœur. Et là, chaque nation compare le cœur à la terre, enfin, ce cœur qui va profiter de cette eau, de cette lumière, il va revivre. Ça nous montre mal. Hein, celui qui a le cœur dur et qui est triste, qui a des faiblesses, désespère pas, Akhil Karim. Tu as la solution. Tu ne sais pas lire, écoute. On vit à une époque, alhamdulillah, imma al-muslimoun, ils savent lire le Coran, ils profitent. Imma, ils ne savent pas lire, tu peux écouter l'an. L'an, en quelques secondes, tu peux choisir le récitateur que tu veux et t'écoutes. Qala. فَيُحْيِي بِهِ قَلْبُهُ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضِ بِوَابِلِ السَّمَاءِ وَيُنَوِّرُ اللَّهُ بِهِ قَلْبَهُ. نعم. قال والحياة والنور جماع الخير. الحياة والنور c'est deux. الحياة la cause c'est le matar, la pluie. Avec un nour, avec la lumière, avec le soleil, c'est le bien. Ça englobe tout le bien. فَلِهَذَا تَأَمَّلُوا عِلْمَ هَؤُلَاء. Vous vous rappelez de l'istidlal de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah avec qissat Hud alayhi salatu wasalam. Il a cité ad-dalil. هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس. Allah سبحانه وتعالى il a cité les deux. أو من كان ميتا فأحييناه. Et حياة الأرض بالماء. ثم قال عز وجل وجعلنا له نورا يمشي. Allah il le rend vivant et il lui donne la lumière, العلم. فهنا c'est exactement la même chose. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل يجعل كتابه الذي جعله روحا للعالمين ونورا وحياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض ونورا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض. هذا القرآن ça devient comme l'eau qui profite à la pluie et comme le soleil qui éclaire la terre. Il n'y aurait pas de soleil, on ne peut pas vivre. فَهَذَا الْقُرْآنِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ il y a les deux. الْحَيَاةِ وَالنُّورِ c'est exactement comme la pluie et le soleil pour ton cœur. ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَائِدَةٌ عَظِيمَ هُنَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامِ. Si on le dit, c'est exactement comme auparavant. Ça ne doit pas être qu'un kalam avec la langue. Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qalbi. Hada, c'est un dua. Et ta'lamoun, un dua, il faut faire des asbab. Il faut faire des causes. C'est pour ça que, et taqaddam ma'ana dans l'introduction, c'est pour ça que, rien en fait, dua n'est pas exaucé. L'imada, l'yana, ça reste un dua qui reste au bout de la langue. Al-dua là, al-dua, ça doit être que le cœur et la langue, et kadalik avec les membres. Falihada. Un sahabi min al-sahaba, radiyallahu anhu, quand il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Al-Shafa'a. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et dans un autre hadith Al-Firdaus, qu'est-ce qu'il leur a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? A'inouni bi katrati sujoud. Aide-moi en faisant beaucoup de sujoud. Ça montre que du'a c'est une chose, mais il faut faire des a'mal. Celui qui dit Allahumma ja'al al-Qur'an rabi' qalbi, il ouvre jamais le Qur'an. Il étudie jamais le Qur'an. Il demande jamais sur le Qur'an. Maintenant, on récite tous surat al-Fatiha. Est-ce qu'on connaît tous les sens de surat al-Fatiha? Si on ne connaît pas, on doit faire des recherches. Si tu ne peux pas faire les recherches, demande. Walillahi alhamd, surat al-Fatiha, elle explique en arabe, en français, en anglais, en toutes les langues. Si tu ne sais pas, tu demandes. Dans certaines choses de dunya, on fait tellement d'efforts qu'on arrive à un certain niveau. Amma surat al-Fatiha, c'est le début. C'est ce que tu récites tous les jours. Celui qui dit Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qalbi, pour que ça soit utile, fais des efforts. Amma c'est comme si wahed, il a de l'eau, il a une terre, il a de l'eau, lakin il arrose pas. Est-ce que la terre elle va profiter? Elle profitera pas. C'est exactement ce qu'on fait. Ahyanan, le mushaf il est posé dans les masajid, dans les maisons, et chez beaucoup de gens, yedan billah, c'est devenu un décor. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous ont ordonné d'accrocher, ou nous ont montré que c'était bien d'accrocher le Coran? Abadan. Le Coran, c'est pour être compris et appliqué. Allahumma ja'al al-Quran rabi'a qalbi. Pour que ce Coran, ça devienne rabi'a qalbik, tu dois l'utiliser, tu dois le lire, tu dois le comprendre pour qu'il touche ton cœur. Amma de l'eau, elle est dans un endroit et tu arroses pas ta terre, n'attends pas que ça pousse. Abadan. Qala. قوله عليه الصلاة والسلام وجلاء حزني وذهاب همي أي لفن دو دعاء قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن جلاء هذا يتضمن إزالة المؤذي الضار أي النبي صلى الله عليه وسلم répète أن ce دعاء c'est pour repousser la tristesse et la solution c'est le Coran le Kerim l'apprendre le connaître le réciter l'appliquer. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجلاء حزني وذهاب همي. الجلاء c'est quelque chose qui va effacer une chose. Ça montre كما قال ابن القيم رحمه الله ان جلاء هذا يتضمن إزالة المؤذي الضار. Ça montre que celui qui est occupé par la musique, par le batil et la akhirah, ça repoussera jamais sa tristesse. Si tu veux écarter cette tristesse, le Coran il doit pénétrer dans ton cœur et repousser tout le reste. فلهذا القرآن ça se rassemble pas avec d'autres choses. C'est pour ça qu'à cause de certaines ma'asiyah, on a du mal à lire le Coran. Limada, l'an al Coran, c'est que l'homme Allah, il a besoin d'un endroit propre. Minallah azza wa jalla, c'est comme ça. Falihada al ulama, il montre que celui qui a le cœur malade, iyadan billah, à cause de la musique et autres, il n'y a plus de place pour le Coran. Même s'il le lit, il s'efforce, c'est super dur, super lourd, et il n'arrive pas à le comprendre. Thumma qal, alayhi salatu wa salam, illa. أذهب الله همه وحزنه. On doit être à la yaqin. Et là, vous comprenez pourquoi. En fait, une fois que tu as compris, هذا الدعاء العظيم, tu as aucun doute en celui qui le dit, qui l'applique, أنه il sera plus triste. Ça y est, توكل على الله, il va patienter, il va espérer, il va faire des efforts dans l'ilm, il oubliera tout et il sera plus triste. لكن cette condition, comprendre et mettre en application. قال وأبدله مكانه فرجا. فهذا جاء في آخر الحديث كما نعلم ديبا أن الصحابة ils ont demandé est-ce qu'on doit l'apprendre. نعم الإنسان il apprend مثل هذا. Et on répète أحيانا, vous avez remarqué que أحيانا on fait des dua, on a le droit, tu as le droit de faire des dua avec des mots que tu veux, tu demandes certaines choses à Allah, لكن il n'y aura pas la même baraka que أدعياء النبي عليه الصلاة والسلام. Vous avez vu la الفصاحة, l'éloquence et les mots comme ils sont liés les uns aux autres. فأنت fais des efforts pour étudier هذه الأدعية. ستستفيد جدا. On cite une faïde avant de résumer. سئل بعض العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. بعض النساء demandent est-ce que quand elles récitent هذا الدعاء est-ce qu'elles disent اللهم إني عبدك alors que هي c'est une femme. Ou est-ce qu'elles disent اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك. أي elles formulent le دعاء au féminin. Ou est-ce que la femme elle le laisse hakada? Allahumma inni abduk wa ibnu abdik ila akhir. Qala Cheikh Ibn Baz rahimahullah, on résume sa réponse fi nour ala ad-darb. Qala hadha wasi'. Al-amr li wasi'. Limadha? Li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam
il a informé que ce dua, il faut le dire de telle façon. Il n'a pas précisé femme ou homme. Et ta'lamou, le nashar, c'est pour les femmes et pour les hommes. Donc celui qui reste à la dahir, les femmes, une femme, elle le récite Allahumma inni abduk, il n'y a aucun mal. Et là, c'est un abd kadalik. C'est un abd, abduk, ça englobe femme et homme. Wa qala Cheikh Ibn Baz rahimahullah wal ahsan an taqul Allahumma inni amatuk. Allahumma inni amatuk wa ibnatu abdik wa ibnatu amatik. Hada qawl Cheikh Abd al-Aziz rahimahullah. Il voit que c'est mieux pour la femme de l'employer au féminin. Thumma qala la fin wa man wa law qalat kama fi lafd al-hadith fala yadhur inshaallah. Fa ya aucun mal. Si une sœur elle a du mal à l'apprendre ou elle ne sait pas comment le prononcer au féminin, elle l'apprend comme a fait le kitab, et si elle sait walillahi alhamd l'employé au féminin l'emploi al amri les sahl, il n'y a pas de délil que la femme elle ne peut pas dire avec cette formulation au masculin, hada, il n'y a pas de délil fal amr inshaAllah, il n'y a aucun mal dans les deux cas. Al khatima ala kulli hal istafadna min hada al du'a al jami' al azim arba'at usul nafi'a في دفع الهم والحزن. في الحقيقة سدرس ستور كنا passé ensemble ولله الحمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا. في الحقيقة tu peux résumer toutes ces paroles d'Ibn al-Qayyim et ce hadith nabawi عليه الصلاة والسلام en quatre points. وبعض العلماء يقولون c'est comme des bases. Et c'est des bases, ils sont cités fiqh al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour repousser la tristesse. Quatre choses qui sont tirées de ce hadith. Awwalan, al-i'tiraf, et bi rububiyyatillahi azza wa jal. Awwalan, ta'tarif anna Allah azza wa jal, c'est al-Rabb subhana. Allahumma inni abduk, wa ibn abdik, wa ibn amatik. Ahada, ça va impliquer quelque chose de azim si tu as compris ce fondement. Al-Rububiyya, c'est un fondement dans notre dîn. Tawhid al-Rububiyya, ça va impliquer anna hada al-Abd, il doit adorer Allah Azza wa Jalla. Naam, l'anna al-Rab, c'est al-Ma'bud, c'est celui qui mérite d'être adoré. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Fa hada, c'est important. Si on revient à la tristesse, fa min al-ibadat al-azima, si tu es triste et tu te rappelles de ce hadith, Allahumma inni abduk, ça doit impliquer, vu que tu es un abd et que tu reconnais Allah comme créateur, de l'adorer avec une ibad azima, ad-du'a. N'oublie pas ad-du'a. Et on aurait pu citer des autres ad'iyah, celui qui les veut contre, pour repousser la tristesse, fait al-kalim al-tayyib de Cheikh al-Islam, il en a cité. Et dans n'importe quel livre sur les adhkar, tu trouves un chapitre sur les du'a pour repousser la tristesse. Kadhalik, une autre ibad azima, ar-raja. L'espoir, l'espérance. La taqnat min rahmatillah azza wa jal. Allah, c'est ton Rabb. Il t'a créé pour ton bien. Il t'aime en tant que mu'min. Même si tu subis une épreuve, c'est pour ton bien. Il m'a des péchés qui s'enlèvent. Il m'a pour t'élever en degré. Il m'a pour te rappeler, pour te réveiller. Fa ala kulli hal al mu'min. Kama qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ajaban li amri al mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Al-mu'min, il est dans le bien. In asabatuhu dharra wa sabra fa kanat khayrun lahu wa in asabatuhu sarra fa shakara fa kanat khayrun lahu. S'il est touché par un mal, il patiente, c'est un bien. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant, c'est un bien. Ça, c'est le premier asl. Al-asl thani, al-imanu bil-qadr. Wa hakadha, ça va t'aider jiddan par rapport à la tristesse. Qawluhu madin fiyya qadha'uk ou amruk qala l'iman, ou on récapitule le deuxième aslam, l'iman bil qadr, wa min thamarat hadha l'iman an tasbir wa tahtasib. Qawluhu madin fiyya, na'am, madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk. Ça renferme un fondement important, al qadr, face ça doit te pousser, si tu es touché par quelque chose d'akhil karim, à patienter. C'est le qadr illah. كذلك un deuxième point نافع في هذا الباب اعلم ان البعض الله سبحانه وتعالى قدر عليهم des choses plus dures. فانت tu es à la khair. Tu as perdu un enfant, certains ils en ont perdu deux. Tu es malade, il y en a ils n'arrivent plus à bouger. Tu as du mal à travailler, il y en a ils ont rien, ils ont même pas de toit. Ou hakada. Tu verras que ça va t'aider. Alhamdulillah. On n'a pas le droit d'exagérer dans la tristesse. L'exagération dans la tristesse, ça montre une faiblesse. Fi al-tawhid wa fi al-iman bil-qadr. Par rapport à ces deux points.
On doit faire attention à la tristesse, un jour, deux jours, et khalas, akhil karim. Alhamdulillah, t'es fi khayr. Si tu dois faire les causes, fais les causes et avance. C'est la plus grande cause. C'est le troisième point. At-tawassul bi asma'illah wa sifatihi. Ad-du'a. Et le Qur'an al-Karim. Ça sera le quatrième point. Le troisième point. At-tawassul bi asma'illah wa sifatihi. Fa yambari. Pour chacun de nous, al-hirs wa l'ishtihad. Fi ta'allum hadi al-asma' wa sifat. Li'anna, on sait que parmi les choses, les causes pour qu'Allah nous réponde à nos du'as, c'est at-tawassul. Et avant de faire du'as, c'est de citer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut les connaître. Il faut connaître le sens. Hada fil haqiqa, ce hadith, ça te montre que tu dois faire des efforts fi hada al-bab. Apprendre ton din, apprendre ta aqid, apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Ala tariqati ahli sunna, ala tariqati salaf. Quatrième fondement, an tushghil nafsak bil Qur'an al-Karim. Si tu veux ne pas être triste et que ton cœur il s'apaise, al-Qur'an al-Karim. An taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa tashtaghil bih, comme on a dit dans le dars, hifdan wa tadabburan wa qira'atan wa da'watan. Tu fais des efforts si tu peux apprendre certaines sourates ou des versets, alhamdulillah, la lecture bien sûr, la compréhension. Pas une simple lecture, là, tu t'arrêtes à certains moments et tu recherches pourquoi Allah Azza wa Jalla il a dit hada. Fa al-haqiqa hada al-Qur'an c'est kalam Allah. Normalement, chaque musulman, tu dois être poussé par cette envie. J'ai envie de savoir. Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Bradna, c'est hada al-fikra, ils l'ont plus. Alors qu'un de leurs proches, oh, iyadam billah, ba'dhum, ils suivent des gens, ils les ont pris comme des idoles, iyadam billah. Une kalima qu'ils disent, ils veulent savoir c'est quoi. Des sportifs ou des chanteurs, il a akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala anzala kitabahu bilhaq. Et ba'dhum nas, ils n'ont même pas cette pensée d'ouvrir et de lire et de savoir pourquoi. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit fi hadha al-kitab. Fal khulasa de hadhihi al-kalima anna min a'zami al-asbab pour éloigner la tristesse, akhi al-karim, c'est al-ilm al-shar'i. Et hada ad-du'a qu'on a expliqué ensemble, on n'aurait pas pu le connaître sans l'ilm. On n'aurait pas pu l'expliquer sans les paroles des savants qui sont fondées sur l'ilm. Fa fil haqiqa al-ilm al-shar'i sa miftah li kulli khayr. C'est la route de l'jannah comme akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bi hada li'an al-waqt dahab wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana 'ala al-haq walhamdulillah. On essaiera, incha'Allah, de temps en temps, d'expliquer des ad'iya, des du'a, jami'a mitla hadhi. Il y en a beaucoup. Bah, les ulama, ils les ont rassemblés dans certains livres. Al-imam, al-Nawawi, rahimahullah, fi Riyad al-Salihin, on en a cité beaucoup. Al-inaya bihada, c'est muhim. Na'am, silahul mu'min. Ça te sera utile dans tout. Fa'nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadat. Ahyanan, on essaiera le dimanche. On les étudiera comme des conférences minbab at-tadhakkur wa an-nasiha pour se rappeler. Voilà. Wa min anfa' al-kutub fi al-ad'iya wa al-athkar que fi al-haqiqa beaucoup de frères ils reviennent pas à ce livre, ils reviennent à certains kutub ba'd al-mu'asirin qui sont pas comme hadha al-kitab. Al-kalim at-tayyib. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'lamoun, c'est Cheikh l'Islam. Et il a écrit un livre, l'ad'iya ou l'athkar. Et la plupart des hadiths sont sahihas, il y a des hadiths dhaïfa, lakin avec le tahqiq de Cheikh Al-Albani, rahimallah, c'est un kitab jamil, jiddan. Et il a cité beaucoup de hadiths, un peu plus de 250 avec des ad'iya. Et c'est comme les autres livres. Qu'est-ce que tu dois dire quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu sors, il a akhiré. C'est un kitab jamil jiddan. Et il a cité un fasl. Et on a lu, nous, de ce fasl. Qala faslun fil karb wal ham wal huzn. Un chapitre sur le karb wal ham wal huzn. Et on a expliqué ces mots. Ça peut être avant la catastrophe, pendant ou après. Ou une chose passée, présente, ou plutôt future. Et il a cité des hadiths. Nous, on a expliqué ce hadith. Il y a des autres hadiths tayyiba. Celui qui veut les lire et les apprendre. Fal kalim at-tayyib de Cheikh l'Islam, le chapitre
numéro 18. هذا والحمد لله.